Bonjour, je m'appelle David Enco et je suis trompettiste. Thierry m'a téléphoné ou envoyé un mail, je ne sais plus, et m'a proposé de faire partie de ce nouveau big band. Et participer à la création d'un grand orchestre, c'est toujours quelque chose qui est assez enthousiasmant. Et du coup, j'ai accepté. C'est un disque qui est assez particulier parce que c'est la première fois que Thierry Maillard écrit pour big band. Et donc du coup, c'est une écriture qui lui est très personnelle, qui demande pas mal de travail d'ailleurs pour tous les musiciens. Et donc c'est très intéressant de participer à ce projet. En fait, dans l'écriture du projet, Thierry n'a pas utilisé les instruments de manière forcément conventionnelle. Donc du coup, ça a demandé pas mal de réflexion sur comment interpréter sa musique et comment la jouer bien. Donc j'ai hâte d'entendre le résultat final. C'est la première fois que je viens dans ce studio à Pompignan et c'est vraiment magnifique. On a un décor assez extraordinaire et c'est vraiment des conditions de travail qui sont parfaites pour faire de la belle musique. Bonjour, je m'appelle Samy Thibault, je suis saxophoniste ténor et compositeur de jazz. Je me suis retrouvé sur le projet à l'invitation de Thierry. En fait, c'est la première fois qu'on joue ensemble. Moi, je connais son travail depuis longtemps. Et il m'a fait le plaisir de venir à l'un de mes concerts avec mon groupe. Et on s'est retrouvés à la fin. On a discuté et le lendemain, il me proposait de faire partie de cette aventure un peu folle quand même. Aujourd'hui, en 2017, réunir un big band et écrire de la musique de jazz pour big band, ça reste une gageure aussi. Et troisièmement, écrire une musique comme celle de Thierry, qui est à peu près 300 000 idées par seconde, toutes en concurrence avec les unes avec les autres, parce qu'elles sont toutes quand même d'un gros niveau. C'est aussi un gros pari, donc il fallait déjà arriver à tenir tout ça, et sur le papier, et dans la réalisation. Et puis il y a plein de super musiciens avec qui je suis très honoré de partager ces quelques notes. Donc tout ça fait que c'est une grande et très belle aventure, je trouve.